Le Danemark et la Slovaquie s'ajoutent à la liste des pays touchés par le scandale des œufs contaminés au Friponil. Ils sont désormais une dizaine. 20 tonnes d'œufs en provenance de Belgique, présentant des traces de cet insecticide interdit dans les élevages, auraient été vendues au Danemark. Et l'autorité alimentaire et vétérinaire du pays se montre rassurante. C'est une grosse affaire et nos analyses montrent que le niveau de Friponil dans ces œufs est illégal, déclare Nicolas Hove, mais qu'il ne représente pas pour autant de risques urgents pour la santé des consommateurs. Nous avons de bons rapports avec Danek Products qui a importé ces œufs. Ils sont en ce moment en train d'avertir leurs clients. L'enquête s'accélère dans les pays à l'origine du scandale sanitaire, la Belgique et les Pays-Bas, où ont été arrêtés les dirigeants d'une entreprise, Chickfriend, suspectée d'avoir appliqué le produit dans les élevages. 8 perquisitions ont été menées, affirme le procureur public néerlandais. Des propriétés des véhicules ont été inspectées ainsi qu'un compte bancaire. 11 fouilles ont eu lieu à travers la Belgique, dit la procureure d'Anvers. Des preuves à charge ont été accumulées. Si la crise sanitaire semble avoir été évitée de justesse, le coût du scandale s'élèverait à plusieurs centaines de millions d'euros.